La méthode défi, déjà, c'est une méthode qui va partir des objectifs individuels de l'agriculteur. Ça passe d'abord par comprendre la logique de l'agriculteur et quelles sont ses attentes envers ses cultures et son système de culture. Et donc ensuite, on va travailler dans un accompagnement à la fois individuel et collectif. Et donc dans ce collectif, c'est le groupe défi qui va apporter beaucoup de réponses à l'agriculteur. C'est vraiment des solutions qui sont adaptées au contexte de l'exploitation et que l'agriculteur choisit aussi en fonction de sa motivation. Donc souvent, c'est des solutions qui passent par une méthode de co-construction. Ça veut dire que, par exemple, on va mettre un groupe d'agriculteurs autour de la table pour réfléchir autour d'une problématique donnée posée par l'agriculteur. Par exemple, je veux réduire mes pesticides sur mes céréales sans baisser le rendement, donc comment je peux adapter ma rotation, etc. En termes d'approche, on va travailler à l'échelle du système de culture. Ça veut dire qu'on passe d'une logique où on raisonne juste un itinéraire technique pour une culture donnée à une logique pluriannuelle, c'est-à-dire à l'échelle de toute la rotation, de toute la succession des cultures au fil des années, et qui fait intervenir une combinaison de leviers pour répondre aux problématiques de l'agriculteur. En région centre, nous avons 12 réseaux défis multifilières. Viticulture, grande culture, polyculture, élevage et culture légumière. L'intérêt de ce réseau, c'est d'être multifilière et d'avoir en moyenne 12 agriculteurs par réseau, ce qui fait une multiplicité de projets individuels, mais aussi de projets collectifs. Au sein de chaque groupe défi, il y a la possibilité de gérer à la fois de l'individuel par des rencontres individuelles de bilan, etc., mais aussi de projets collectifs avec de la formation, des intervenants, des réunions, des tours de plaine et de l'expérimentation. Sachant que le projet collectif va nourrir chaque projet individuel et réciproquement. Exactement. L'intérêt pour les agriculteurs, c'est surtout de pouvoir échanger sur leurs pratiques et de se sentir moins isolés dans leur démarche. Ils vont pouvoir tester ensemble de nouveaux leviers agronomiques et faire leur retour sur les expériences, bonnes ou moins bonnes, qu'ils auront pu avoir sur leur ferme. Et puis, ils vont pouvoir, en groupe, s'ouvrir à de nouvelles pistes de réflexion par des visites ou d'échanges avec d'autres groupes d'agriculteurs. Par exemple, dans mon réseau défi, les agriculteurs ont l'habitude d'échanger avec les autres agriculteurs de leur groupe de développement respectif. C'est-à-dire qu'ils vont aussi amener cette information dans des groupes hors réseau défi. Et puis on va aussi servir de réunions, de visites, de démonstrations pour faire de l'échange entre agriculteurs. La stabilité des systèmes passe par une réduction des charges et de l'utilisation des produits phytosanitaires, tout en gardant des cultures qui répondent aux exigences du marché et qui restent rentables pour l'agriculteur. C'est-à-dire qu'on doit trouver des alternatives aux solutions chimiques, tout en étant compétitif sur la performance économique des exploitations.